La même chose avec tous les deux Américains. Donc, je veux dire, ces fêtes sont faites très spéciales pour moi parce que je veux dire, mes 20 ans vrais de ministère des carrières personnelles, depuis que j'ai fondé l'église Haïti et l'église à la milité. Maintenant, nous avons beaucoup de prières pour nous faire. Il y a deux buts de prière pour l'église. Là. Premièrement, c'est prier parce que son église est vraiment persécutée. Vraiment persécutée. Si ce n'est pas Christ, c'est de là qu'il va chercher, il écrase les gens. Mais c'est Christ qui fait là. Et deuxième prière, nous avons besoin d'acheter un local pour nous construire l'église là, depuis et depuis prier ça, non seulement nous persécuter, mais nous avons besoin de gagner une possibilité pour acheter un local. Donc, quand nous avons fait ça, matin, tout le monde a mis au thème en urgence pour que fait pour poisson en février, si Dieu veut, pour nous commencer à comment conjuguer et si ça nous gagne fort nous pour nous jouer de nos côtés acheter. Donc, nous allons prier pour l'église de Raka en Haïti. Donc, moi, c'est pasteur fondateur. Moi, je suis content pour saluer yon madame qui c'est Monsieur Michel Meul avec moi. Bon, c'est ce qu'elle a parce que m'a chauffé un bagarre. Elle a salué moi la semaine passée l'église là. Elle était bien reconnaître moi que c'est belle fille. Ok, l'idée, ok. C'est là que je lui ai dit, mais son monde bien reconnaître. Et puis c'est là ça nous a parlé, il t'a dit, et puis nous t'es fait bon de parler. Bien content pour vous côté, mais il y a un monde qui est vraiment reconnaître. Donc, nous saluons. Maintenant, nous allons parler comme ça pour vous. Je vais faire lecture pour vous, c'était dans Psaume 90, verset 1er au verset 12e. Nous gagnons un sujet pour ça, nous voulons parler autour de lui. Maintenant, bien compter nos jours. Bien compter nos jours. Nous avons trois points. Nous voulons suivre. Vous voulez suivre avec nous matin, hein, c'est vivre avec prudence, la vie est courte et vivre avec sagesse. La paix de Jésus soit avec vous. Amen. Psaume ça, il est souvent utilisé, parce que par contre, comme c'est États-Unis avec Haïti, et puis c'est nommé que je fais, je pense que tout le côté qui a un service funéraire, il y a toujours les psaumes. 90. Je ne vais pas nous parler. Mais est-ce que son une psaume de délié depuis que la mort obligatoirement formulée? Est-ce que c'est ça? Dans le meilleur monde, on a assemblé avec une question ça. Est-ce que c'est exactement une psaume qui explique les affaires de deuil depuis qu'on a enterrement formulé? Non, pas seulement ça. Vous ne pouvez pas s'appeler les bastards. 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 Vous ne de deuil. Ce n'est pas un somme de deuil. Maintenant, tu avais attiré l'attention nous sur nombre 14, verset 19. Nombre 14, verset 19. Nous avons nous, verset 19 à 21, nous avons nous l'île parce que pendant que nous avons prêché, nous avons demandé l'île pour nous. Nous gagnons contenu essentiel, somme ça, très tragique, les tragiques parce que c'est une somme de prière, son prière, son demande, son plaidoirie, le prophète Moïse, quoi le fait, t'a fait avec bon Dieu parce que le peuple là est en difficulté, le peuple là est en calamité. Et puis le prophète Moïse qui quoi le fait, une plaidoirie avec Dieu. Et n'après dire, c'est pas une somme. Son circonstance lègue la mort au Khalil, mais un psaume qui gagne en pile bagaille là-dedans. Pour que ça nous dirait, trois titres là-dedans nous dit que vivre avec prudence, la vie écoute, vivre avec sagesse. Pour que ça? Maintenant, chers frères et sœurs, Moïse t'a demandé bon Dieu pour lui de gagner pitié pour le peuple Israël là. Parce que faillite te poignon, et tandis que devant pas quelle difficulté, parce que si nous t'avons fait un petit descendre plus bas pour nous voir, comment peuple ça te fait aller en Égypte? Et nous t'avons cherché, nous t'avons allé en Égypte pour chercher petit manger. Nous t'avons quitté la zone païo pour nous obliger à aller en Égypte pour chercher petit manger, petit bagaille pour vivre. Nous connaissons l'histoire, ça qui vient de passer, parce que l'histoire raconte nous, il y a dit que le peuple Israël a un problème. Parce que le peuple égyptien a dit, j'ai un peuple
faire petit tout visible là. De yon paquet bagay yon observe, Israël yon pas mal pour faire petit. En bas de yon faire petit. Ça semble que le peuple ça après l'ivon de deux yon Egypte en même. Et puis d'après ça, on dit nous, yon augmenté travail yon. D'après ça, la Bible explique nous, yon augmenté travail yon. À cette époque, yon explique nous, yon bagay yon de briques. Selon yon bagay yon qui fabriqué en pile à l'époque en Egypte. Et c'était le peuple Israël qui était un peuple qui dit plus courage pour aider yon. Et puis on dit que quand on a fait plus de bagailles que on a fait, plus de quantité, parce que nous avons fait ça à mon pays à la main. Et puis pas oublier, puisque c'est le peuple choisi de Dieu, Dieu te fait un plan pour faire Israël. Il dit que même si on l'a mal retiré en Égypte, et voilà avec nous, nous on côté, côté lait et miel à couler. Nous avons juste la semaine dernière, online, et ce groupe New York là, nous devons reconnaître pour l'amour de Dieu, même si le monde passe, tout côté au passé, nous ne pouvons pas garder. Est-ce que nous pouvons abattre? Oui, pour l'amour de Dieu, pour la vie, même si nous avons fait tout le bagage, nous ne pouvons pas chanter par le monde de l'homme. Amen. Pour l'amour de Dieu, pour la vie. Puisque nous avons plan pour le peuple, malgré les dirigeants égyptiens, par les commandes ou par le freiner, peuple ça, nous faisons petit dans le genre, nous pointons dans le pays. Mais Dieu était dans le plan parce qu'il connaît que le peuple s'attendait là pour une circonstance et un jour, il est pour retirer là. Et ça fait nous même maintenant, là on parle de nous pour nous vivre avec prudence. Mais quand nous tirer, premier petit message, c'est parce que le peuple égyptien était en Égypte. Il n'y a pas d'Égyptien. Le peuple israélite était en Égypte, il n'y a pas d'Égyptien. C'était un peuple, c'était un petit manger qu'on a cherché. Il était là en transition. Il n'y a pas d'aller là pour te faire tout le temps. Mais pour le peuple israélite, il y a pensé que c'est là qu'il a prêté pour tout le temps. Parce que tout le temps, pas de bon Dieu qui pièce notre déo, pas de bon Dieu qui a fait ressortir. Et pourtant, non, on va dire bagaille. Toujours dit ça. Pas de monde qui fait par hasard. Non, non, non. Mais sans pièce, mon tranquille, la matin, hein, c'est pas un bolet lié. Tant qu'on bolet, on a joué par hasard, la petit feuille, les gratter, li, et puis sortir son numéro, s'il sortit, il sortit. C'est pas bon pour ça, bon Dieu, créer. Chaque monde qui l'a matin, bon Dieu, comprend pour la départ. Et ça fait matin, hein, puisque bon Dieu, comprend pour paix Israël là. Il dit que il va utiliser moyens pour retirer le peuple Israël là en Égypte. Et puis, il retire le peuple là, il sortit avec eux, il soit au long, nous ne connaissons pas qu'à aller derrière, si va aller derrière, nous pas fini. Il allait là, prend le peuple là avec Moïse et il a sorti avec le peuple là. Voilà en quelque sorte. Pendant le peuple là dans la route, le peuple a connu des difficultés, le peuple a connu un grand goût, le peuple a connu soif d'eau. Le peuple a connu des plats qui fait mal parce qu'il marche en pile. Le peuple a connu des rats sales parce qu'il n'a pas de papier moyen tout le temps pour laver la veille. Le peuple a connu des persécutions tout parce que nous apprenons que à la sortie de ce peuple, pour mon Dieu protéger, la journée, il met en sécurité. L'ennui, il met en sécurité. La journée, on peut l'homme de derrière. L'ennui, on peut l'homme de faire devant. Pourquoi contrôler le peuple là, pour le défier pour voir aux lumières pour marcher. Le peuple là est venu fatigué. Il devait être venu pas capable encore. Et c'est pour cette raison, le psaume 90, Moïse, pour le faire un peu de la vie avec Dieu, il va demander bon Dieu. Il y a une bataille pour le peuple là, parce que le peuple là, malgré bon Dieu pour moi, comme ça, mais le peuple là, contre bon Dieu, ingratitude. Il y a plein. Il y a même pris mon écœur, on dit Moïse. Sans qu'il cherche avec nous là, même dans les misères. Pour qu'ils ne soient pas quittés nous en Égypte. Mon cher, bien, vont nous tourner en Égypte. Pour nous vivre, même si pas de la vie, nous devons retourner. Ça, nous venons chercher ici. Parce que nous ne sommes pas capables. On ne peut pas marcher le soir, on ne peut pas le monde. Grand goutou, ou qu'on est grand goût à battre. Il y a marché dans la nuit qu'on la journée. Il y a nos pèlerinages. Il y a une position difficile de venir pour eux. Et puis, on va nous raconter que Moïse va arriver bon côté bon Dieu pour parler avec bon Dieu. Et c'est ça, nous avons dit, si on joue un nombre, chapitre 14, verset 19 à 21, nous avons bien pour noter l'île pour moi, parce que nous toujours aimé. Les noms à prêcher, si bon monde qui fait lecture pour nous, la protégeant plus bon pour tout le monde puis comprendre. Est-ce que bon monde qui je nomme chapitre 14, verset 14, verset 19 à 21. Oui. Pardonne toute l'iniquité de ses pères
selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Verset 21. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et la gloire, je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Comment m'attirer après plaidoirie, avec Dieu fine, tenter la prière de Moïse? Parce que Moïse présente devant le peuple. Et ça ici, c'est toute description du psaume 90. Après les films parlent avec lui, Dieu dit, Dieu, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Est-ce que vous l'avez pour l'église après? Dieu dit, pardonnez-vous. Parce que moi pardonner parce que c'est moi qui mets la terre. Mais on va caler, on va caler qui a tiré attention moi. Puisque Moïse t'a commencé dans le psaume 90 avec verset 1 et verset 2. Premier bagage que Moïse fait, il va mon Dieu louange. Il va mon Dieu louange. Il parle de l'éternité de Dieu. Il dit Dieu ou éternel. Lui montrer mon Dieu. Dans verset 3, il parlait de la fragilité de l'homme. C'est-à-dire, quand est-ce que l'on dit, vive avec prudence, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que la vie, il y a des gens qui ne sont pas prudents. Et des gens qui sont chrétiens qui sont dans l'église qui ne sont pas prudents. Pour qui ça ne va pas prudent? Pour qui ça ne va pas prudent? C'est l'on choisit par respecter sa volonté de Dieu. L'on choisit vivre selon jongler ou pas prudent. L'on choisit aller côté au vrai ou pas prudent. L'on choisit venir être au jongler ou pas prudent. L'on choisit dire ça au vrai ou pas prudent. Ou pas prudent. Mais pourtant, en tant que monde à bon Dieu, nous devons prudent. Quand ça arrive de dire prudent, il a toujours dit c'est pour le monde vivre tant que c'est bon. Parce que c'est bon très prudent. C'est bon très prudent. C'est bon, la gare, il t'a un petit bruit fait, il n'a pas de bruit. Mais il garde en vent. Pour le sac fait sauter après ça, pour le chercher au côté, mais t'es col, il prudent. Il y a un bête encore qui est très prudent, c'est la colombe. On bête qui est très prudent. Ça veut dire, quel que soit ça qui passe, même si il va voler, mais il faut s'y garder. Il va pas pour un bête qui est comme ça, propre, il vole. Mais nous-mêmes, parfois, même nous chrétiens, mais nous pas prudents. Et je voulais dire, nous disons, on va gagner pour observer. Moi, c'est tout partout. Moi, je fais, nous fait plusieurs voyages ces domaines. Non, quoi ça? Entendez l'exhortation pasteur. Entendez l'exhortation pasteur ici aux États-Unis. Entendez l'exhortation pasteur Saint-Michel en Haïti. Vous réalisez que en pile mon avis d'église, mais au pas prudent. Parce qu'il connaît la tête côté où il y a ses données, on vient donner là-dedans. Ha! Puisque la tête s'est donnée, on vient donner, il n'y a pas prudent. Il fait ça voulait. Il dit ça voulait. Mal écouté voulait. On va compter ça. Et il y a des gens qui sont tellement pas prudents, il dit avant de mourir, ma détente est menti. Avant de mourir, ma détente fait la paix avec Jésus. Est-ce que pas des gens ça arrive pour lui? Oui, des gens ça arrive pour lui. Nous sommes gagnés, nos amis, moi, t'es gagné, nos anciens professeurs à Kaïmoué. On est dans une conversation avec ma prêche, l'évangile passe dans tes voisins. Et même si je m'a prêché, il m'a dit, il était président dans la jeunesse, il était dans quoi? Il ne faut pas qu'il baille l'église, mais chuter. Comment chuter? Il vient chuter. Il dit, plus gros bagage qui a comme un problème pour lui, c'est parce qu'il est un peu de forme. Il fait un peu de petit. Il dit, va pour comment vous tourner? Il dit, l'aide pas de la vignette. Il dit, frère, ouais, où? C'est un choix. Jean-Paul Dieu, v'lez à la cour, bien bonheur. Amen. Désir ça, vous ne pouvez pas même pas qu'à quitter femme, il ne faut pas qu'à servir mon Dieu. Je vous dis là, vous dites femme, on ne peut pas vous battre. Si vous voulez marquer ça, vous dites là, mon Dieu apprend avant l'heure. Si vous voulez choisir, parce que d'après tout ce que vous faites l'église, vous avez choisi. Malheureusement, l'année dernière, pendant que vous êtes ici, et puis c'est sur TikTok, monsieur malade, c'est pendant que vous êtes sur Facebook, et vous avez publié la bonne monsieur. Les vrais tournées à Haïti, je parle avec vous ici. Il dit, pasteur, vous pouvez vous dire, oui, oui. Il dit, oui, ça, il dit, mais c'est avant, je ne pas mourir. Il dit, non, je vais son dernier jour, pasteur, vous pouvez vous dire. N'importe pasteur, nous dans l'arrière, faire vous pouvez vous. Et puis, même si vous avez avec moi en ville, il y a là, il y a pas joindre moi.
Et puis il est venu à dire, il t'a dit ça, il t'a pris, monsieur, on dit que monsieur, malheureux, il est parti aux États-Unis. Monsieur est arrivé, et puis il est fini, il est pasteur allé, monde qui allé, il prie avec, il dit, moi, je voulais faire tout ça, je voulais encore. Mais je dis, après, mettre la vie, bye, mon Dieu, et monsieur, vous voulez. Est-ce que moi, je pense à tous les hommes? Est-ce que chaque monde, bon Dieu, est le même genre? Est-ce que chaque monde a une même mission? Non! Il y a qui dit, ma guetant! Ou pas prudent, et vous dites ou pas prudent, ou pas prudent. Et ça fait nous dire, Moïse, te parlé avec le peuple là, et il parlait avec mon Dieu. Il parlait de l'éternité de Dieu, et il parlait de la foi et l'unité de l'homme, parce que le jour nous le comptait. C'est ça nous voyons, oui? Le jour nous le comptait. Laisse nous lire dans le verset 3 au verset 17, particulièrement verset 12, dit, verset 13 au verset 17. Lui montrer que comment miséricorde, mon Dieu, est grand. Et malgré quelquefois, on a fait tout le bagage qui parle devant Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu, toujours façon pour le rassembler. Nous. On va dire les pères d'Israël, c'était venu vers eux. Ils ont tellement fait bagage dans l'homme, l'on lit l'homme, chapitre 14. Ils ont tellement fait bagage qui parle devant Dieu, mon Dieu. Mon Dieu dit, ma fait pas arriver dans le pays. Tout le monde qui vient live de 20 ans à continuer, d'ici pour Uriah, tout a été mouru, son autre génération qui a privé, excepté Josué avec Caleb, m'a réservé pour vivre avec eux. Au contraire, parfois réfléchir sur par exemple, Moïse, c'est lui qui est prophète, lui qui est libérateur du peuple, soutien d'Égypte. Mais Moïse, pas connaît Canara. Est-ce que nous ne devons pas vivre avec prudence l'église de matin? Est-ce que nous ne devons pas vivre avec prudence? Moïse, simplement, si ça nous dit pitié, c'est le gros devant Dieu, mon Dieu. Et tout le monde connaît le péché de Moïse qui cause Moïse par le Canaan. Mon Dieu dit pour y parler et puis frapper. Il nous fait coller sous moi, mon Dieu, pas piler le monde. Ou pas vous. Vous connaissez maintenant des bagages qui va faire arriver tout son plan à vous dire pour les jeter à des bagages de péché. Si ça pitié, on ne va pas arriver. Si ça fait maintenant, nous demandons pour vivre avec prudence. Moi, ils sont des dieux. Les prophètes, les nous lit, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15 au verset 22. C'est lui-même qui présentait être comme Dieu l'a choisi. Et Dieu parlait avec Moïse face à face, Deutéronome 34, verset 10 à 12. Dieu parlait avec Moïse directement. Et ma parole dit nous, pendant Moïse, il parlait avec mon Dieu. L'immortel, mon Dieu, pour mon Dieu. Prends pitié pour le peuple là, et puis Dieu dit, moi pardonne. Est-ce que vous avez pour l'église à matin? Hein? La prière, juste là, il y a en pile d'efficacité, en pile d'efficacité. Il dit, moi pardonne. Et ça fait me rappeler de l'histoire d'Abraham aussi. Quand est-ce que l'idoué permis, son homme est bon. L'Abraham a plaidé avec Dieu. Combien de monde pour ma périr? Combien de monde pour ma périr là? Il dit, mais il tout, garde tout côté, mon Dieu dit si le temps, m'a péri, tout le temps, m'a péri. C'est que matin, moi, je suis dans la règle. Mon Dieu, pas ajouté le monde qui n'empêche, non? Répondez. Amen. Il m'a ajouté. Au contraire, la passe moyen, la prête de monde par la voix. Quand il y a ta prêche, pas ta prêche, ou fâche, parfois, vous avez connu le bon avant, ou dans tout le monde qui a passé plus vieux, vous posez bon, mon Dieu. Ils vont sauver par l'obéissance. C'est ça que la place à voir. Ou à ma voix, vous m'avez offert. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Et puis, comment est-ce que vous passez à parler? Vous allez essayer de lui toucher. Dieu veut le sauver. Amen. Moïse, il dit que. Lui, montrez qu'elle dit. Puisque la vie nous revient à 70 ans. Pour qui ça, Moïse? En temps désert. Il dit la vie, l'homme. Revient à 70 ans, tandis qu'à l'époque, nous n'avons plus plus aller. À l'époque, nous n'avons pas qu'à l'année ou pas qu'à l'année. Moi, je connais ça, c'est un monde étonné, nous avons 104 ans, 110 ans. Donc, nous avons un grand monde, nos amis parmi ici, qui mourent à 104 ans. Dans ce moment, nous sommes passés, là, dans une fontanelle. Ils mourent à 104 ans. Nous avons saisi, peut-être le monde qui mourit à 104 ans. Il y a des gens qui ont un grand monde qui est habitué avec lui, sans doute, il y a n'importe 115 ans, mon en Haïti. Pour qui ça, mon saisi? C'est parce que la vie nous vit court. Pour ça, Moïse a 70 ans. Il m'a dit plus parce que normalement, où est que la vie a commencé à diminuer. C'est ce que m'a dit nos bagailles, maintenant, chers frères et sœurs. La vie a court devant nous. On ne comprend pas quel bagaille qu'on fait. Pas que monde qui dit,
pour pas travailler. Pas de monde qui dit pour pas apprendre le métier. Pas de monde qui dit pour pas gérer le corps. Normalement, je vais gérer le mais faites tout le pour la gloire de Dieu. Faites tout le pour la gloire de Dieu. Tant écoute, vivez avec prudence. Faut apprendre le métier. Faut ceci. Faut marier. Faut faire petit. Faut faire foyer. Mais faut vivre avec prudence. Pour qui ça? Parce que la vie est courte. La vie est courte. La vie, c'est pérenne, nous vivons, tout ce qui va se passer. C'est que Moïse vivait pour la parler avec le peuple là. Il dit que, regardez, moi je voulais que, toujours, mais c'est pas parole nous, devant mon Dieu. Moi je voulais utiliser ça pour nous connaître, c'est mon amour Dieu nous. Nous devons vivre avec un peu de prudence. Et peuple, nous devons comprendre que, bon Dieu fait une sortie, bon Dieu fait un pile de bagaille. Dieu cité. Non, non, le passage avant yo. Récitez comment ils prennent en Égypte. Ça fait donc que nous, l'église bataillon, nous n'avons pas de reconnaissance avec mon Dieu. Parce que parfois nous méprisons ça, mon Dieu fait pour nous. Je ne vais pas dire que je ne suis pas dans la réfléchie. Et puis je me dis que de côté, je rencontre un pile de jeunes. Jeunes haïtiens qui sont Chili, qui sont Brésil, qui sont Argentine, qui sont tout partout. Qui sont au privé là, ils sont au Mexique, ils ne sont pas venus. Mais après, ils ont une chance, ils ont plongé ici. Ils ont dégagé. Ils ont regardé aussi le monde qui fait classe, ils ont des niveaux, ils ont pas de connaissances dans la tête. Haïti n'a pas offert rien. Ils ont obligé de venir aux États-Unis. Parce que là, ils ont venu au moins, ils ont venu au bagage, ils ont venu au pays quotidien. Pas de travail en Haïti, pas de conditions réunies. Et puis, ils ont dit, mais si ça fait la peine, parce que toute couche intellectuelle, si le monde qui a été dans le pays, c'est eux même qui ont parti. En plus, le monde s'est réparti parti dans le et puis dit politiquement, mais le pays d'Haïti envahit qu'on y a avec bandit. Tout ce monde au moins, qui t'a plus ou moins, ils ont parti à chercher la vie meilleure en leur côté. Et puis le pays a la fini dans nous, qu'on soit fait des bandits, soit fait des bandits, soit fait des bandits. Mais pour qui ça? Pour qui ça n'a pas gagné qui fait dans le monde qui a dirigé?